Oh là là, salut, c'est Archimède, je reviens du passé, enfin, de l'antiquité grecque, pour vous présenter une partie de la machine que j'ai conçue de mes propres mains. Apparemment, vous n'êtes pas sûr que ce soit moi qui ai créé cette machine, mais moi, je vous l'affirme. Regardez! Voilà la partie de la machine représentant les positions de la Lune. Je vous l'ai agrandie pour que vous puissiez mieux la voir. Mais, normalement, la machine ne fait qu'une vingtaine de centimètres. Je l'ai construite dans le but d'afficher, selon le jour, les positions de la Lune, ses phases, ainsi que les positions du Soleil. Bien sûr, en prenant en compte certains cycles, comme le cycle de Saros ou encore le cycle de Méton. Elle permet également de prédire les éclipses de ces deux astres. Eh oui, Archie, effectivement, ta machine pouvait calculer la position exacte de la Lune grâce à cette partie-ci, grâce à tous les rapports d'engrenage que tu as calculés. On peut voir que grâce à ton système complexe d'engrenage, la machine nous donne en sortie la position exacte de la Lune selon une date précise. Cette machine est donc considérée comme le premier ordinateur analogique antique. Bravo Archie! Merci Sabine, c'est pas tout ça, mais j'ai d'autres choses à faire. Allez, salut! Ce film vous a été proposé par des élèves en classe de première scientifique qui ont construit ce projet dans le cadre des travaux personnels encadrés. Retrouvez le dossier complet de La machine d'Anticythère avec tous les détails techniques et historiques sur le site internet accessible sur bit.ly/anticythère sans accent. bit.ly/anticythère sans accent.